Il faut véritablement remercier les personnes qui prient en Martinique, quel que soit leur Dieu, car, sensibles à leurs prières, ces dieux portent sur nous, nous, la Martinique et les Martiniquais, un regard bienveillant. Ils nous font même parfois bénéficier de véritables miracles. Par exemple, le secteur du tourisme n'est pas particulièrement en souffrance dans notre pays. Pourtant, il aurait pu connaître d'énormes difficultés. Vous vous rendez compte? Tout le battage que l'on a fait autour du chlordécone, on a crié partout, et bien entendu en France hexagonale aussi, que notre terre, comme nous-mêmes, étions infectés par un produit particulièrement dangereux qui s'appelle le chlordécone. On a allègrement associé ce produit avec le cancer de la prostate en annonçant fièrement partout que nous sommes la région du monde la plus touchée par cette pathologie. Et quand même ça, eh bien les touristes sont venus. Ils ont courageusement accepté d'affronter tout le monde, la Martinique donc, et notamment sa nourriture, infectée par un dangereux pesticide. Vous conviendrez que c'est miraculeux. Mais il faut maintenant que notre miracle se produise. Outre les réseaux sociaux qui n'ont pas de frontières, toutes les chaînes de télévision françaises rendent compte des manifestations violentes qui secouent la Martinique actuellement. Et selon certaines d'entre elles, il ne s'agit pas de manifestations violentes, mais d'émeutes. Sur le plateau de la chaîne CNews, une femme qui prétend bien connaître la Martinique affirme que, citons-la, « Je vous le dis, les policiers ont dû utiliser leurs pistolets mitrailleurs parce qu'ils étaient pris dans le feu d'armes automatiques, de fusils, d'armes d'épaule, de tentatives d'homicide. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de mort. » Fin de citation. De quoi c'est évident décourager tout touriste qui aurait envisagé de venir en Martinique. Il est vrai que nous sommes en basse saison, mais c'est souvent à ce moment-là qu'on fait les choix, qu'on organise ses déplacements. Et à côté de la Martinique, il y a la Guadeloupe, si tranquille, et de l'autre côté du globe, il y a la Réunion, qui est également si tranquille. On verra bien dans les mois qui viennent si tout cela a une importance sur la fréquentation touristique. Si une fois de plus, le miracle s'est produit. Reste que ces événements ne sont pas anodins. Tellement pas qu'on aurait pu penser que Rodrigue Petitot prendrait la parole pour les expliquer, pour les commenter. Mais au sein du RPRAC, il semble que les rôles soient bien répartis. Le président prend la parole quand il s'agit de refuser, de menacer, d'être violent. Par contre, quand il s'agit d'être plus mesuré, plus policier, c'est Aude Goussard qui explique que les exactions que l'on a observées ces dernières nuits et qui ont fait le tour des réseaux sociaux ne sont pas le fait des membres du RPRAC, mais de délinquants qui profitent de la situation pour se livrer à des pillages de magasins. Et ce qu'ils emportent, téléviseurs ou iPhone, ne sont pas forcément des produits de première nécessité, encore que, par les temps qui courent. La nuit dernière, en tout cas, a été plus calme, même si pas complètement tranquille, du côté de Sainte-Thérèse. Cela signifie-t-il que le mouvement s'essouffle? Cela signifie-t-il que les pilleurs ont déjà pris ce dont ils avaient besoin? Les prochaines heures porteront des réponses. Mais la réponse que l'on attend, c'est évidemment le résultat des négociations qui ont cours entre les différents secteurs concernés par le coût des produits qui sont vendus chez nous. Il semble que moins 20% soit à peu près acté. Mais peut-on aller plus loin? L'État pour l'instant, l'État sans gouvernement, se tait forcément sans gouvernement. Pourtant, sa voix sera déterminante puisque le débat sur la continuité territoriale est désormais sur la table. La question au fond est de savoir s'il va prendre le pas sur celui qui n'est pas enterré, même s'il est très affaibli, de l'autonomie et de l'indépendance. On connaît bien la formule « errare humanum est », l'erreur est humaine, on connaît moins bien la fin de la phrase. Perseverare diabolicum. Persévérer dans l'erreur est diabolique.